vu ici et dans l'hémicycle de la région, on essaie de multiplier les manifestations autour de l'économie et essayer de conforter des stratégies de développement et d'innovation et faire en sorte que les entreprises de notre territoire puissent accrocher notamment sur la R&D, des financements importants sur Horizon 2020. Il y a 70 milliards d'euros consacrés par l'Europe sur les grands programmes de recherche. La France est très en retard. Et donc, il faut réellement se mobiliser pour faire repartir le système. Aujourd'hui, on peut travailler avec des designers pour présenter des pièces en rendu réaliste, par exemple. On peut faire de la simulation de convoyage de cachets, par exemple, comme on a fait, comme on va présenter un peu plus tard dans la journée. On espère pouvoir intégrer donc le logiciel SolidWorks, qui nous paraît très convivial et qui peut nous apporter donc des nouveaux marchés et une nouvelle clientèle. Alors on est venu y chercher un petit peu des nouvelles idées, par exemple sur le prototypage 3D qu'on verra cet après-midi. Y chercher aussi des témoignages d'autres sociétés qui ont eu un petit peu la même démarche que nous, pour voir un petit peu comment les autres faisaient finalement, et puis aussi rencontrer des acteurs qui vendent de ces outils-là. Alors ici on a une machine peu coûteuse, donc on est en dessous des 1000 euros. C'est une communauté de gens, on va dire, qui a créé cette machine et où en fait les gens partagent et les logiciels et le matériel et les objets 3D. Et on peut aller télécharger des versions et des nouvelles versions régulièrement pour améliorer en fait le système, le fonctionnement du système. Donc on a beaucoup besoin de faire des supports, là l'occurrence ici, on a un support de ventilateur. Lorsqu'on monte des maquettes en fait à l'école, on a toujours besoin de pièces. Alors quand on ne peut pas l'avoir en pièces mécaniques, eh ben, on réalise en fait des objets qui nous permettent de monter nos maquettes. On a apporté un produit assez intéressant qui permet de designer et concevoir d'une manière assez intuitive, parce que nous sommes face à un système en fait de conception assistée par ordinateur, mais avec un retour de force. Donc en fait on a une sensation tactile avec notre matière, ma matière que je peux faire bouger dans l'espace avec ma main, et ensuite que je peux venir déformer, travailler comme je le souhaite. Là on est sur une technologie poudre, c'est-à-dire que la machine dépose un lit de poudre sur laquelle des têtes d'impression viennent projeter du liant. C'est-à-dire qu'on superpose les couches les unes sur les autres dans le bac de fabrication. Et à la fin de la fabrication, on a donc de la poudre ici qui n'a pas été utilisée, qui reste poudreuse. Et on a l'objet qui est déjà dur et qui est déjà en couleur, s'il est prévu en couleur, dans le bac de fabrication. Ici, sur cette machine-là, sur cette gamme de machines, on est sur des matériaux plutôt soit des résines, soit des cires. Donc typiquement, sur ce type d'objet, on utilise deux matériaux différents, qui sont deux cires, et on fabrique par projection. Donc c'est une grosse tête d'impression industrielle qui projette de la cire ou du plastique. Il y a des PME qui sont très affûtées, où on sent qu'effectivement, en leur montrant quelques démos, ça accroche tout de suite. Après, on se rend compte que malgré tout, il y a encore beaucoup ce que j'appelle de l'évangélisation à faire auprès des entreprises pour leur, on va dire, faire prendre conscience de tout le potentiel qu'offrent ces nouvelles technologies, aussi bien sur la réduction des délais, amélioration de la qualité et diminution des coûts, vulgarisation de l'information, facilité de communication et surtout le process finalement de développement de projet d'un produit. On voit un élément qui va nous permettre finalement de repérer l'objet, de le positionner dans l'espace.
Derrière, on va avoir une caméra qui va permettre de faire l'acquisition de la scène, donc de repérer le marqueur. Et donc du coup, on va pouvoir visualiser au travers de la caméra la cohérence entre le modèle 3D et notre marqueur. Voilà ce qu'on peut. L'idée, c'est d'avoir une relation assez sensible, intime, avec l'objet qu'on va modéliser, qui est le bijou, qui est un objet très personnel et intime. Et donc, on a vraiment une gestuelle très sensuelle avec ces objets, et c'est vers là que je vais aller. C'est sortir de toutes ces interfaces boutons et joysticks. C'est vraiment avoir une autre approche à l'objet. Aujourd'hui pour venir plutôt faire de la veille et du benchmark sur les exposants, les intervenants en conférence et puis le mode d'organisation de l'événement qui était particulièrement réussi.